Luc et Fraternité, petite vidéo à l'arrache comme d'hab, vidéo au bord du lac avec ma chienne. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur l'argent à la propriété. Ça fait je crois 2 mois que je dois la faire cette vidéo, mais je repousse toujours les séances parce que j'estime que c'est un sujet sérieux, mais au final ça rase. Et c'est à cause de la vidéo de... J'ai vu une vidéo de Magic Jug sur un monde sans argent et je suis... totalement, pas totalement, mais je suis d'accord à 90% avec tout ce qu'il a dit. Je conseille à tous les gens qui mettent ma vidéo d'aller voir sa vidéo là-dessus. Je trouve que c'est une bonne vidéo. C'est ce qui m'a donné un peu la motivation de faire ma vidéo. Parce que, ouais, je pense que l'argent ça pourrit les gens. Tu vois, comme dirait NTM. Donc, je vais prendre à mon échelle personnelle déjà toutes les embrouilles que j'ai eues avec des gens. C'est soit pour des raisons d'argent, soit des raisons de propriété. Je m'embrouille, des gens, je me suis embrouillé avec des gens parce qu'ils me devaient des thunes. Je me suis embrouillé avec des gens parce que je leur devais des thunes. Je me suis embrouillé avec des gens parce que à propos de propriété. Pour des gens qui défendent leur morceau de terre-terre comme un chien il défend son os. Qui veulent pas que tu viennes parce que c'est chez eux. Je me suis embrouillé avec mon père pour des histoires de terrain. Après, il y a propriété intellectuelle aussi. Tu vois, embrouillé avec des gens parce qu'ils ont un savoir qu'ils ne veulent pas partager. Ils ont des informations qu'ils ne veulent pas partager. Voilà, je trouve que la propriété et l'argent, ça pousse les gens à s'entretuer. Voilà, c'était un peu ma petite vision des choses là-dessus. Et ouais, je voulais... que ouais, et en plus quand j'ai pas d'argent, sans argent ça me prive de ma liberté, enfin ça me prive de faire des choses. Je peux pas faire ce que je veux sans argent. Je peux pas aller voir ma famille autant que je voudrais, je peux pas aller voir mes amis autant que je voudrais, je peux pas aider les gens autant que je voudrais. Voilà, je trouve que sans argent c'est compliqué dans un monde basé sur l'argent. Et après Révo, pousse-toi. Et après, les deux seules choses où j'étais pas d'accord avec Magic, c'était sur Margie qui dit que les gens les plus heureux, c'est les gens qui ont peu et qui veulent peu. Je suis pas du tout d'accord là-dessus. Je pense que les gens les plus heureux, c'est les gens qui partagent. Et oui, en l'occurrence, les gens qui ont le moins partagent le plus. Donc oui, c'est vrai que les gens qui ont peu, ils sont heureux. Mais je pense pas que c'est parce qu'ils ont peu et parce qu'ils veulent peu, je pense juste parce que c'est eux qui partagent le peu qu'ils ont. Donc forcément, ils sont plus heureux que des gens qui ont beaucoup et qui partagent pas. Voilà, c'est un peu mon avis un peu là-dessus, qui différait. Après, je vais pas m'étaler là-dessus parce que Magic a dit à peu près tout ce que je pensais. Et sur le fait de comment faire sans argent, je pense que le bénévolat, c'est pas, je vois pas le principe du bénévolat parce que je vois le principe de fraternité, de coopération, même si ça se ressemble beaucoup. Je pense que si tout le monde pensait un peu à la gueule des autres, aux besoins des autres, ce serait très facile de vivre sans argent. Ce serait même plus facile, tu vois. Au final, si on réfléchit aux besoins des autres, bah on construit suivant les besoins des gens. Toi, des maisons, tout ce que tu veux, quoi, des écoles, tout. Construire suivant les besoins des gens. Ce que les gens ont besoin, on le construit. Et chacun donne un coup de main à la patte, voilà, suivant ses capacités, ses connaissances. Et voilà. Et pour les ressources aussi, je pense que sans argent, ce serait plus facile de gérer les ressources. Partager les ressources, c'est le seul moyen de vivre mieux ensemble, déjà. Et de vivre mieux avec la nature, parce que pour l'instant on partage pas les ressources, tout le monde pille là où il peut. Du coup se réguler et vivre en harmonie avec la nature, je trouve ça difficile dans un monde tel qu'il est. Si on partageait tous, on serait tous conscients des ressources qu'on a à disposition, et ce serait beaucoup plus facile de partager les ressources. Voilà. Petite vidéo à l'arrache sur l'argent, j'en referai peut-être une parce que celle-là était un peu confuse, comme d'hab. Voilà, salut fraternité tout le monde.